Attendez, attendez, attendez. Oh, c'est stylé de ouf. Pourquoi j'ai acheté des hand spinners d'après vous? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, je viens juste d'acheter une montre complètement folle que j'ai attendue quand même quelques mois. Et après quelques mois d'attente, elle est enfin arrivée. Elle est là, dans ce carton fou qui est un carton en forme de rectangle et qui est bleu. Attention. Non, bref, plus sérieusement, je viens de m'acheter une montre. Et cette montre-là est complètement folle. C'est l'une des montres les plus folles que j'ai achetées à l'heure actuelle. Et on va la découvrir ensemble dans cette vidéo. Passons tout d'abord à l'unboxing. Alors, on peut voir une boîte bleue en forme de rectangle. Avec marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Mad Edition. Et oui, c'est une montre sortie tout droit de l'imagination de Max Busser, Maximilian Busser, fondateur de MBNF, que j'ai d'ailleurs eu la chance d'interviewer. Si vous n'avez pas encore vu cette interview, cliquez sur le lien qui s'affiche ou rendez-vous dans la description à la fin de cette vidéo. Attendez quand même la fin de cette belle présentation pour aller voir l'interview. MBNF qui crée des garde-temps d'un autre monde et il crée justement de véritables machines horlogères. Ce sont des pièces assez coûteuses car très techniques et surtout très compliquées à fabriquer. Mais dernièrement, Max s'est lancé dans un projet, créer une machine plus accessible sous un autre label, mais toujours avec la touche MBNF. Et le résultat, c'est la Mad Edition. Et pour tous ceux qui me demandent, je l'ai acheté un peu plus de 3100 euros avec les taxes. Sinon, elle coûte 2900 euros hors taxes. Et c'est vrai que c'est une montre beaucoup plus abordable qu'une montre MBNF. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec les Mad Edition. Alors, ce n'est pas la toute première version que j'ai entre les mains. D'ailleurs, on va commencer l'unboxing, mais il se trouve qu'il avait sorti une édition en bleu qui est aussi très sympa. Bon, là, c'est la version rouge, vous allez le voir, mais qui était réservée aux Friends. Ils ont eu quand même un succès inattendu et ils ne s'attendaient pas en fait à avoir autant de demandes. De mémoire, ils ont eu plus de 25 000 demandes de participation à la tombola. Parce que oui, pour avoir la chance d'avoir cette montre, en fait, il fallait participer à un tirage au sort. Donc, commençons l'unboxing. On peut revoir cette boîte. Bon, je pense qu'on l'a assez vu justement, cette boîte. Après avoir retiré la surboîte bleue, on est sur une boîte en mousse dure avec marqué Mad Edition et on va l'ouvrir. Bon, bien sûr, j'ai eu le temps de la porter entre temps, mais c'est toujours un kiff de faire un unboxing. J'adore faire des unboxings. Voilà, déballer la montre et tout ça. C'est un petit kiff. La montre, elle est là. Elle est complètement folle et c'est ce que j'adore. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir acheté un petit hand spinner. En fait, dès que j'ai vu cette montre en vrai, ça m'a fait rappeler au hand spinner qu'on avait en fait dans la cour de récréation, parce que c'est vrai que la masse oscillante tourne sur elle-même parce que le mouvement a été retourné, mais ça on en parlera un peu plus tard. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? On retrouve un petit étui avec marqué Mad Edition qui est très sympa pour ranger des choses, un QR code avec le mode d'emploi, etc., etc. Et on retrouve une petite lampe sympathique, voilà, qui permet d'éclairer un peu plus la montre pour faire ressortir le Super Luminova. J'ai déjà eu le temps de la porter et j'ai déjà eu le temps. Franchement, je ne m'en lasse pas et c'est vrai que cette montre est complètement folle. Le fait que le rotor tourne sur lui-même en permanence, ça donne cet effet un peu hand spinner, etc. En plus, on lit l'heure sur le côté latéral. Ça, c'est quand même un concept complètement fou. Le rotor est en haut. Ce rotor à trois lames est en titane et permet de remonter l'un des rares mouvements automatiques à remontage unidirectionnel qui est indispensable pour la rotation facile et rapide de ce rotor. Le mouvement en question, c'est un mouvement Miyota et c'est le 821A qui a une réserve de marche de 60 heures. Il se trouve que le mouvement est retourné à l'envers pour lui permettre de tourner très rapidement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens opposé, la montre se remonte. L'heure s'affiche latéralement grâce à des cylindres rotatifs pour les heures et pour les minutes, gravés et rehaussés de Super Luminova. Ça, c'est vrai que quand on a cette montre dans le noir, elle brille de mille feux et franchement, elle est complètement folle. Bon, je sais que je l'ai répété plein de fois, mais franchement, énorme coup de cœur pour cette montre. Je m'en lasse pas, je m'en lasse pas. Et c'est vrai que ça attire énormément l'attention quand on la porte. Ça, c'est vrai parce que beaucoup de personnes en fait demandent ce que c'est comme type de montre et ne comprennent pas trop le concept, parce que c'est vrai qu'ils n'ont jamais vu de montre aussi particulière, aussi spécifique,
En fait, tellement que ça sort de l'ordinaire, c'est vrai que ça attire très facilement l'attention. Elle a un diamètre de 42 mm et une épaisseur de 18,8 mm d'épaisseur, ce qui est gros au poignet. Et après, je pense que c'est vrai qu'on aurait pu faire un peu plus fin. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on la regarde, enfin, sur les photos, mais ça me paraissait être beaucoup plus gros que ça. Mais quand on l'a au poignet, franchement, ok, elle est épaisse, mais ça va. Enfin, c'est dans la limite du raisonnable. Elle est étanche à 3 bars, soit à 30 mètres de profondeur. Donc, c'est vrai qu'on va pas faire de la plongée avec. Mais bon, c'est une étanchéité normale, j'ai envie de dire, pour une montre. Le rouge qui est d'ailleurs ma couleur préférée. Donc, c'est vrai que ça tombe très bien. Et pour tous ceux qui veulent se la procurer, enfin, pour tous ceux qui veulent se préinscrire, enfin, être tenus au courant de quand le tirage au sort aura lieu, tout simplement, je vous mets le lien dans la description. Je suis particulièrement satisfait de cette montre. Je l'ai quand même attendu quelques mois et franchement, j'adore et je m'en lasserai pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette montre. Est-ce que vous partagez mon avis? Sinon, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. C'est vrai que je peux comprendre que ce genre de montre ne plaise pas à tout le monde. Mais moi, je trouve ça très cool et bah, ça casse justement les codes des montres classiques que l'on a l'habitude de voir. Voilà, avec le cadran rond, trois aiguilles, etc., etc. Plus le temps passe et plus je me penche sur les marques indépendantes qui, je trouve, font des choses complètement barrées. Et ça, c'est vraiment un vrai kiff parce que je trouve déjà ce sont les plus innovants et surtout, ils font des montres avec des styles très décalés et c'est ce que j'aime le plus. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche si vous voulez découvrir l'interview de Maximilian Busser, le fondateur de MBNF. Et moi, je vous dis à tout de suite.